Allez les amis, on repart pour notre petite aventure sur Assassin's Creed Valhalla. Qu'est-ce qu'il a lui? Je l'en mange là tout de suite ou on attend un peu? Parler à Hérodote. Mais il est où notre ami Hérodote? Attendez, t'es où toi? Ah oui, d'accord. Hop. Vas-y. J'espère que vous allez bien, les amis, sur le chat ce soir. Pam 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 pam. Bon, ce soir, on va continuer notre petite aventure Assassin's Creed, les amis. Pour préparer, merde, je me suis complètement loupé là. Pour préparer l'arrivée de Biomutant, fin du mois. Et y voilou. Je voulais à la base jouer à Apex Legends. Malheureusement, il faut que je le réinstalle. Voilà, les joies d'une mise à jour qui a foiré. Et qui fait que. Voilà. Yo PLG29, comment ça va? Ça va très bien et toi, comment tu vas, poteau? C'est quoi ce jeu? C'est Assassin's Creed Odyssey. C'est Assassin's Creed Odyssey. Voilà, on continue notre petit périple, l'histoire en gros du jeu. Parce que celui-là, c'est un que j'ai jamais fait. Donc du coup, voilà. Et comment tu vas toi? Attends. Mais non, t'en vas pas à 15 bornes, mon ami. Oula, oula. Et ouais, du coup, c'est Assassin's Creed Valhalla. Pas Valhalla, Odyssey. Valhalla, on l'a fini, d'ailleurs. Et là, j'ai attaqué Odyssey. On est déjà à 21% du jeu, un truc comme ça. Donc, il est assez rapide, celui-là. C'est ça qui est cool. L'histoire va être assez rapide. Enfin, je pense, du moins. Bataille de conquête disponible. Ah. Ah, on est au Mali, les gars. Par contre, genre, il y a quand même beaucoup de monde. Qu'est-ce que tu fais de beau, sinon, mon petit PLG? Oula. Il y a grave de hauteur quand même là. On va pouvoir tout descendre là. Bon, bah, apparemment, ouais. Allez. Tud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 u. Alors, on est presque arrivé à la quête. Les Thermopyles. On dit qu'on ne peut pas venir ici sans avoir du sang sur les orteils. Oh, lui, il est en tête de mort, frère. Je te vois. Tu sais Allez. En fermant les yeux, on peut les entendre. Les derniers cris de guerre avant la mort de chacun de ces courageux Spartiates. Leurs voix se sont tues ce jour-là, mais leur histoire demeurera éternelle. Tu ne m'as pas fait venir ici pour parler de Spartiate mort. Alors, pourquoi, Hérodote? La bataille des Thermopyles résonne encore dans nos cœurs. Mais en venant ici, on peut la sentir en nous. Il n'y a que des fantômes. Qu'est-ce que je kiffe? Moi, je m'intéresse aux vivants. Tends-moi ta lance. Ma lance? Pourquoi? Pour vérifier quelque chose. Ah,
Yo Yoshi, comment tu vas? Bah nickel, nickel Yoshi. Leonidas, il est mal là. Et oui mon pote, tu t'es fait tuer aussi. Ah ouais, là la mourue là. Il est mouru, mouru. Hérodote, je vais bien. Je vais bien. Les récits disent vrai. C'est bien la lance de Léonidas. Salut Big! La lame du héros. Tu savais ce qui se produirait. Je l'ignorais, mais je le soupçonnais. Il est un lieu dont j'ai toujours mis en doute l'existence jusqu'à maintenant. C'est un monument singulier sur l'île d'Andros, de mystérieuses formes. Nickel, et toi, mon petit Big ? Différente de tout ce que j'ai vu. Tu veux aller à Andros pour me montrer des formes ? Au cours de mes voyages, j'ai entendu parler d'une ancienne civilisation, un peuple qui était là, avant. Ta lance et cet endroit sont liés. Allez. La lance s'est éveillée dans ta main, Hérodote. Je te fais confiance. Comprends bien. Je ferai tout mon possible pour t'aider à retrouver ta mère. Sois-en sûr. Mais nous devons d'abord faire voile vers Andros. J'aime bien l'histoire du jeu, en vrai, Bismol, qu'elle est cool, hein. Je préfère quand même celle de Valhalla, mais pour le moment, elle est vraiment cool. Hey, merci pour les bits, mon petit Bismol. Aïe, mes masses de bits, mon petit Bismol. Bienvenue à tous ceux qui débarquent sur le live, je vois que vous êtes ici, n'hésitez pas à parler sur le chat. Ça fait toujours plaisir, les amis, on va pas vous manger. Bienvenue à bord de l'Adrestia, Hérodote. Tu vas voyager avec nous? Brièvement seulement. J'ai une affaire à régler à Athènes. Hérodote m'aide à retrouver ma mère. Rechercher l'aide des dieux a placé Hérodote sur ton chemin, comme ils t'ont placé sur le mien. Leur destin dépasse notre compte. Et nous n'avons d'autre choix. Tu as peut-être raison. Et Hérodote, on est bon là. Comme Athénor, il faisait partie d'une société très puissante, le culte de Cosmos. Celui-ci dirige les Grecs par l'intermédiaire de l'Oracle. Impossible de contrôler l'oracle. Apollon ne le tolérerait pas. Mais en vrai, les amis, c'était pas parlé, hein. Et je dois la trouver avant. Je pense qu'ils sont confiants. On utilise du Kitnos, mon pote. Eh ouais, Kitnos, le bateau. À 6000 mètres, frère. Il est beau, le jeu, quand même. Hein. Ma sœur, par Zeus, tu as une vie compliquée. N'a pas idée. Pas d'inquiétude. Ce culte de Cosmos a désormais... Ah, c'est Cosmos, je crois que c'était Cosmos. Cosmos, putain, il faut que je modifie le titre du live. Putain, je crois que c'était le culte du Cosmos. Mais non, c'est Cosmos, d'accord.
Bah après je modifie le titre du live là. Ouais ouais on est parti là pour Athènes. Alors va pour Andros. Si nous voulons partir en guerre, il va falloir apporter des améliorations à mon avis. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien un dieu. Et son état laisse à désirer. Tu n'aurais pas pu fuir avant qu'on prenne la mer? Par Poséidon, où est-ce qu'on va trouver ce qu'il nous faut? Mon père m'a appris que la mer est... Et nous allons devoir l'être. Par chance, les navires de pirates sont nombreux par ici. On va les aborder et se servir. Alors, allons-y. Allez, on va l'aborder. Avec moi, on va aborder ce Sharon. Allez. On va les défoncer. Et à la flotte. Genre le mec il sait pas nager. Abordage effectué. Ça c'est bon ça. Oh, le mec il navigue sur des bateaux, il sait pas. Genre vraiment il sait pas améliorer. Éperon. Ah non c'est la coque. Ça fait chier parce que je voulais garder pour améliorer mon stuff. En tout cas hier c'était chiant là que j'ai eu ma coupure d'internet là, je sais pas pourquoi. Putain le live il marchait pas mal, on était 8 là pour le nouveau type de live, c'était cool. Alors combien j'ai de quêtes générales, ça je peux pas la faire ça là. Ils sont beaucoup trop hauts. Loué soit posé. Il est en mesure d'éprôner maintenant. Comme un point dans la mer. Allez, c'est bon. Bah ouais, j'ai mes box sont passées. Toutes les deux, elles ont coupé en fait. Je crois qu'elles soit se sont mis en mise à jour ou un truc comme ça, je sais pas, mais ça a duré un quart d'heure. Après c'est revenu et après ça a recoupé, du coup j'ai dit bon bah allez je relance pas tant pis. Et c'est chiant parce qu'on était 8, ça parlait et tout, c'était cool tu vois. Pour la première fois que je faisais un live peinture comme ça, c'était cool tu vois. Et du coup au final attends mais je t'ai même pas montré ce que ça donne pour le moment ce que j'ai fait. Parce que j'ai continué un petit peu du coup hier hors live. On va se mettre là. Là ça c'est bien, il y a le pilote automatique. Ah bah oui je vais en refaire. Mais pour l'instant ça donne ça. Attention, c'est dangereux, par ici. Hop. Replie la voile. Non non non, replie pas la voile. Je vais te montrer. Replie la voile. La baie du marathon. Allez jusque là. Ça donne ça pour le moment. Ça rend bien hein. ça prend forme du moins, donc c'est cool. En vrai j'aime bien faire ça, ça détend, c'est cool, ça permet de faire autre chose. Et plus tard peut-être si on a une grosse commu sur la chaîne Twitch, bah c'est cool.
ça fera faire un peu autre chose en live, donc ça c'est cool. Aux avirons. Allure maximale. On ne peut pas maintenir cette vitesse. Abaissez-moi cette boîte. Ouais. Non mais dans l'idée en fait, ce que je veux vraiment faire pour moi, pour la boutique Yoshi, c'est pas cela. Je te montrerai quand j'aurai tout à l'heure. Mais c'est pas cela en fait, c'est des grands sur toile de personnages d'anime. Tu vois, j'en ai trouvé des Sonic, des One Piece, des Naruto qui sont trop beaux. Ça c'est un test en fait, tu vois. C'est pour voir si ça me plaît. Là déjà je sais qu'il faut que je m'achète un pinceau de meilleure qualité. Parce que là c'est de la merde, le pinceau que j'ai il va pas comme je veux, tu vois, les poids, enfin c'est un pinceau pas cher, donc c'est le pinceau fourni avec le truc, donc voilà. Mais j'aime bien, c'est cool, il va faire sympa je pense une fois fini, c'est il est quand même pas mal. Mais là on va la lancer vraiment beaucoup plus sérieusement la boutique avec Cap. Faut qu'on se cale pour en parler parce que j'en ai toujours pas parlé réellement. Du projet. Et ça va être cool. Oui, c'est le kit du débutant. Ouais, c'est à peu près ça, ouais. C'est pour tester, pour voir un peu comment c'est, etc. C'est splendide. Oui, mon ami. Tu peux le dire. Nous approchons. Oula oula. Allez. C'est ça, oui. Mais après, ouais, j'ai pas mal d'idées pour notre boutique et tout. Le seul truc con, c'est que bah, pour le moment, on sait pas faire de vrais sites, donc on va passer par Vinted. Bon, c'est bien aussi, hein, Vinted, tu me diras, c'est bien ça. Ça permet d'avoir une base de personnes qui peut acheter très haute, quoi. Mais dans l'idée, plus tard, c'est de faire un truc qui nous appartient à nous, quoi. Un vrai site avec une vraie boutique, etc., tu vois. C'est une porte? Je n'avais encore jamais rien vu de tel. Allez, voyons voir. Comment je vais entrer? Je me demande si... Ah, souvenir? Souvenir. L'hésitation conduit toujours à... La tombe. Je sais, mère. Ta forme s'améliore et tu es résolue. Mais tu ne passes pas à l'action. J'allais le faire. Je sais, mais certains instants sont plus importants que d'autres. À toi. La lance de Léonidas. Tu es assez grand. La lance de mon père représente un certain fardeau, mais tu es prêt. Ouais, bah après, c'est pareil, tu vois, si tu fais un site, après, faut s'y connaître, quoi. Moi, je galère, hein. J'ai toujours le truc que j'ai montré l'autre jour, tu vois, avec Wix, mais c'est pas ce que je veux. Je veux un vrai, vrai site. Mais bon, ça, il faut savoir les faire, et moi, je sais pas faire. Donc, voilà. Dont le sang coule dans les veines de notre famille. En nous tous. Pense à Léonidas. Il a été très courageux et a accepté un grand sacrifice. Tu partages son sang et la force qu'il possédait. Ben ouais, mais en site gratuit où tu peux faire un peu quelque chose et tout, t'en as pas 50 millions, Yoshi. Quand tu sais pas coder, c'est mort. Hein. Mais tout le monde ne le comprend pas. Certains sont conscients de notre vie et veulent s'en emparer. Ils essaieront de nous le prendre. Je les empêcherai. Je le sais.
es un guerrier. Si nous continuons à aller de l'avant, toujours plus loin, nous serons intouchables. Ouais, tu peux faire des trucs sympas, c'est que moi après je n'y pense pas réellement, tu vois. Nous devons aller de l'avant. Après, faudrait, tu vois, que je m'y penche un peu plus, tu vois, sur le si. Ah, attends. Je ne t'ai pas oublié. Yo Cap, comment tu vas? D'ailleurs Cap, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Par les dieux, qui a bâti tout ça? Tac 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 tac. J'aimerais bien Cap. J'aimerais bien que je gagne au loto, frère. Mais j'aurais gagné au loto, frère. Tu me verras avec un putain de setup, mon ami. Direct, j'achète des locaux, tout ça. Je te réquisitionne. Comment pourrais-je décrire ça à quelqu'un comme Marcos? Des setups de fou. Non. En vrai, la bonne nouvelle, c'est que j'ai commandé l'imprimante. Enfin, j'ai commandé deux imprimantes. Du coup, pour la boutique. J'attaque le taf demain, moi. Ah, ça, c'est bien, Cap. Ouais, j'ai commandé résine et plastique. Enfin, la plastique, je l'ai pas encore commandé. J'ai commandé la résine, déjà. Et je vais commander la plastique juste après. Donc là je peux, donc je le fais, tu vois. Je me dis j'ai le matos pour YouTube pour le moment, donc j'ai pas besoin d'investir tout de suite. Et du coup surtout en attente de savoir si je récupère l'autre ou pas, PC et tout ça, je vais pas réinvestir tout de suite, tu vois. Donc je me dis autant mettre le paquet pour la boutique si je veux vraiment faire ce projet là. Faudra qu'on se cale pour en parler aussi, putain, soir, il faudra que je live pas pour qu'on en parle. Parce que putain, à chaque fois je repousse. Mais dans l'idée, c'est une boutique pour vendre, hein, donc voilà. Idem. Donc du coup, je me suis dit, elles sont pas chères. Ça me fait investir globalement... 2, 3... 400 balles en gros, et ça va. Je savais que je t'avais laissé trop longtemps. J'ai encore pris 22 follow. Putain, nice Cap. Moi, ça galère un petit peu là en ce moment. Là. Mais bon, c'est du jeu vidéo, c'est compliqué. Alexios avait les moyens de l'améliorer. Imagine la puissance que pourrait avoir ce bâton. Je reconnais que c'est peut-être une découverte majeure. Mais pour l'instant, en tant que médecin, je dois m'occuper de toi. Repose-toi un peu avant de retourner voir Alexios. Le repos, c'est plus tard. Les équipes d'Abstergo sont peut-être en train de nous chercher. Et il y a des gens pour s'occuper d'eux. Si tu craques là-dedans, la mission s'arrêtera. On m'avait bien dit que t'étais gentil avec tes patients. N'oublie pas qu'on est une équipe. On te soutiendra jusqu'à la fin de ton enquête. Je sais. Kiyoshi a sécurisé le loft hier et il garde un œil à l'extérieur. Alana fait des recherches historiques. Et moi je suis là si tu veux parler ou si tu as le mal de l'animus. Thérapeute avant tout. Je vais aller me dégourdir les jambes. Dommage qu'on ait plus accès à la et rebelote ce soir. Tu relives ce soir, Cap ? Coûte trop cher. C'est fascinant. Leila. Je sais. Il a la langue bien pendue. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi ? Je te laisse à ton travail. Si tu as besoin de quelque chose. Nice, Cap. Nice, nice. 600 follow, c'est bien. Hein. Moi, j'espère atteindre les 500 à la fin du mois. Ça me laisse globalement 20 jours, je pense que c'est possible, pour prendre 53 follow. On va essayer, on verra bien. Tu es sûr de vouloir retourner tout de suite dans l'animus? J'ai l'impression que tu vas y rester un bon moment. Là, t'es à combien, Cap? T'es à 600? Ou t'es
Je suis prête à retrouver Alexios. T'es à combien là? 500, non? Je surveille tes arrières. Ah ouais, tu reprends tôt, d'habitude c'est pas 21h. Mais oui, c'est l'Animus. C'est l'Animus, enfin c'est la, le monde réel, et en gros tu vas dans l'Animus pour aller dans les corps de tes ancêtres. Non, 20h30, d'accord. Mais en vrai, ouais, Cap, du coup, je vais prendre les deux, comme ça, on pourra faire plastique et résine. Et voilà. Et là, je suis en réflexion pour prendre un local pour YouTube, etc. Si tu veux, j'ai le mon local entreprise actuel, c'est pas... Enfin, c'est plus moi qui le paye. Du coup, c'est mon père qui a pris la location, donc moi, j'ai plus de location pour mon entreprise, et donc du... Non, pas sur Pau, frère, je peux pas... à côté de chez moi, là, il y a un local qui fait 65 mètres carrés pour 400 balles. Donc, je me dis, c'est un local commercial, non, je me dis, pourquoi pas, pour faire un truc plus sérieux, tu vois, YouTube, vraiment. Pour YouTube, la boutique, etc., tu vois. Je me dis, ça peut être bien, tu vois. Ça peut être bien, 400 balles par mois. J'en payais 600, l'ancien que j'avais, enfin, le local que j'avais pour mon entreprise, je payais 600. Là, 400, je vais arriver à payer les 600, donc 400, voilà quoi. MDR, tu vas y passer ta vie là-bas. Ouais, mais en fait, dans l'idée, c'est que je veux prendre une maison plus petite, juste avec deux chambres, une pour moi et une pour mon fils. Et donc, du coup, pour réduire le loyer perso, tu vois, parce que là, je paye quand même une maison 3 pièces et tout, alors que je suis tout seul, donc ça fait beaucoup de surface qui sert à rien. Donc, je veux prendre une maison plus petite et me prendre un local dans la, à côté, quoi. Comme ça, ben, je peux... Je peux avoir mon local pour YouTube tranquille et avoir ma, mon truc perso à moi de mon côté, tu vois. Comme ça, quand, quand j'ai mon fils, ben, je suis pas sur YouTube, tu vois. Je suis avec lui, quoi. Et puis, ça fait un local où je peux stocker tous les trucs pour la boutique, les imprimantes, les machins, les setups, etc., tu vois. Donc, je me dis, peut-être, ça peut être intéressant. 400 balles, en vrai, je perds pas grand-chose, tu vois. C'est pas très cher. J'arrive, c'est 200 euros de moins que ce que je donnais avant pour mon local d'entreprise, sachant que j'ai toujours mon local d'entreprise, mais c'est mon père qui le paye maintenant. Moi, je paye juste l'eau et l'électricité là-bas. Et encore, on le divise en 3, vu qu'on est 3 à y être, etc. Enfin bref, t'as compris, ça me coûte que dalle. Donc je me dis, ça peut être bien. Je me dis, ça peut être très bien, quoi. Donc voilà, j'ai trouvé ça tout à l'heure. Je suis en réflexion de pas mal de choses. Là, j'ai envie de mettre la, la petite pédale d'accélérateur pour les projets. Parce que la boutique, en vrai, ça fait 6 mois, 7 mois qu'on a, que j'en parle et j'ai rien fait encore. À part avoir créé le truc, j'ai rien fait. Donc je me dis, bon, bah allez, faut se mettre un petit coup de pied au cul là pour faire les choses. Si je veux que ça arrive à quelque chose, parce que sinon, si je fais rien, forcément, ça donnera jamais rien. Donc maintenant que j'ai les streams, j'ai repris, je suis bien. La chaîne YouTube secondaire, bien. Là, il y a la chaîne Call of qui s'est lancée, bien. Nico a déjà prévu pas mal de vidéos, machin, etc. J'ai la chaîne principale, il faut que je me remotive. Et après, tu vois, je suis bien partout, en vrai, pour le moment. Donc, je me dis, allez, vas-y, on fait la boutique. On va vraiment faire ça comme il faut. Et puis, voilà, quoi. Il faut qu'on parle. Oh, c'est... C'est l'autre moche là. Oui, il faut se lancer. Bah ouais, c'est ça. Hein. Tu es facile. Ouais, je sais que c'est ma sœur, ouais. Tu es venu seul? Tout va bien? Cassandra, tu es vivante. Ne me touche pas. Allons, petite sœur. Tu vas devoir tout me raconter. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je n'ai absolument rien à te dire. Je ne te connais pas. Mais moi, je te connais. Peu importe après. Quel bâtard, Yoshi. On doit discuter de choses plus importantes. Oui, bien sûr. Comme ce que tu as avec l'artefact. Ça a attiré mon attention, si c'est ce que tu voulais. Quoi? L'artefact a montré la vérité. On est frères et sœurs. Et on a quitté Sparte en vie. Il a montré la vérité. Oui. Il a confirmé ce que j'ai toujours su. Tu m'as jeté de cette montagne! Si c'est ce que tu crois, Cassandra, c'est que tu t'es cogné la tête pendant ta chute. Je tiens ce récit de quelqu'un qui n'est pas un menteur comme toi. Et ne m'appelle pas Cassandra. D'accord.
Deimos. Vas-y, Cap, pas de soucis. Je ne la connais pas. C'est une demi-déesse, vénérée et crainte par le culte et par toute la Grèce. Dans ce cas, pourquoi obéis-tu au culte? Au cas où tu n'aurais pas remarqué, c'est moi qui le dirige. Alors prends une décision par toi-même. Aide-moi à retrouver notre mère. Ah, je ne veux pas de retrouvailles. Je veux seulement savoir ce que tu cherches à faire. La même chose que ton culte. Je cherche notre mère. Il n'a pas besoin d'elle. Ce n'est pas la vie de tes amis. Myrine est leur prochaine cible. S'ils la cherchent vraiment, c'est pour la tuer. Mais si tu ignores où elle est, ça veut dire qu'elle t'a abandonné, toi aussi. Quelle tristesse. Malgré cet abandon, on a survécu. Nous pouvons rétablir les liens d'autrefois. Il suffit de la retrouver. Le culte se moque des sensibleries et de la famille. Seul le contrôle l'intéresse. Bon, c'est con que je l'ai tué. Si le culte nous cherche tous, une de ses cibles a disparu. J'ai tué Nikolaos. Alors oublie tes airs de justicier. En réalité, tu es comme moi. Je me moque de ce que tu penses. Et je trouverai Myrine. Fais le bon choix. Viens avec moi. Quoi ? Nous pourrions la trouver ensemble. Tu pourrais m'aider. Oh ! Tu penses que l'amitié résout tout ? Qu'on devrait... Ouais. Mais on a dit qu'on faisait un perso qui tuait tout le monde. Pour le moment, j'ai tué tout le monde. Ce n'est pas de la faiblesse, mais le sens des responsabilités. Je n'abandonnerai pas notre famille par dépit. Responsabilité ? Oublie tes illusions. Le culte a un projet, et il ne laissera pas des gens comme toi lui barrer la route. Tu sais que je vais m'attaquer au culte. Tu sais, toi, combien nous sommes puissants, ce que je peux faire. Crois-tu vraiment avoir la moindre chance? D'après toi. Le courage est un trait de famille, pas vrai? Ah, mais voilà! Nous sommes du même sang. Voyons ce que tu sais faire. Ah, mais voilà, on peut la tuer. Tu vois, je te l'avais dit. Oh, tu n'es vraiment qu'une idiote. Il va falloir faire mieux que ça. Ouais, c'est toi qui vas manger un pain, là. Ah, tu sais vraiment... Bon, là, tu tout de suite, on attend un peu. Deimos, connard, t'es pris une droite, t'es... C'est barré, wesh. Malaka, Hérodote. Mais Malaka, rien du tout, t'es claqué, mon frère. Oh, le punch, il a pris une droite, l'autre, il s'est endormi, quoi. Putain, il est nul à chier. Eh, t'es nul, hein, mon petit perso, là. Dun, 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 dun. J'ai obligé de clip ça. Ouais, récupère les clips, après tu me les envoies, tu me les files comme ça, je les fous sur TikTok. Mange. Hey.
Ouais, voilà, c'est nickel, comme ça, hop, moi, je fous ça sur TikTok, tu vois, nickel, on programme les... En plus, maintenant, on peut programmer les TikTok, c'est trop bien. Alors, la légende était vraie? Était-ce magnifique? Putain, j'arrête pas de boire du Red Bull, maintenant, j'ai envie de pisser. Tout doux, Hérodote. Ma lance est plus forte. Je peux le sentir. Tu avais raison. Il y avait un artefact là-bas. Il m'a présenté une vision de moi et de ma mère. Alors, cette civilisation a existé. Alexios, tu n'as aucune idée du pouvoir que tu détiens, enfoui dans la lance de Léonidas. Mais ce n'est pas tout. Deimos m'a suivi là-bas. Le culte est en action. Elle me l'a dit. Elle va s'en prendre à nous, à ma famille, à Périphès. C'est ça, de ouf. Pourquoi te l'annoncer? C'est sûrement un piège. Aucune importance. Nous devons aller à Athènes et avertir Périclès. Et nous devons retrouver ma mère avant le culte. Alors, allons à l'Apnix. Nous serons certains d'y trouver Périclès. Frère, je fais que de bouger dans le jeu, en vrai. Quête terminée, allez, on monte de level, là. 3300, là. Boum. Oh non. Ah, plusieurs quêtes. Ouais, mais quêtes pro, je peux pas toutes les faire. Ah, bienvenue à Athènes. Non, il va falloir que j'aille ici, là. Celle-là, je peux pas les faire. Celle-là, la première que je vais pouvoir faire, elle est niveau 18. En plus, t'as vu, on chope du stuff légendaire, là. Les yeux de Cosmos. Quête d'Odyssée, bim, full stuff légendaire. Celle-là, c'est niveau 15, donc je suis que niveau 10, donc ça va être chaud. Donc c'est celle-là qu'il faut que je fasse. Collecter. Ah ouais, faut aller où? Collecter des fragments d'artefacts. Ouais. Attends, je suis où moi? C'est quoi ça? La plupart des gens connaissent la passion et la chimère. Un membre du culte. Il y en a une qui s'appelle la Chimère. Ah, elle est là. Attends, vas-y, on va aller la chercher. Niveau 14, je devrais pouvoir la tuer. J'ai fait à manger l'équipe. Je vais voir Cap pour lui offrir des bits. Vas-y. Putain, Nixo. Nixo. Comment il s'appelle? Bismoke, là, depuis qu'il a sa CB, là, il a fait chauffer. Hein. On va aller défoncer la Chimère. Ça sera fait. Il faut que je trouve des fragments, frère. Je sais même pas. Ouais, je pense que ça présage rien de bon, mais bon, on n'a rien de mieux à faire là. Les fragments d'artefacts, je sais pas où c'est. Donc, ben, je suis voilà. Mais normalement, en tuant la chimère, je vais passer level 11. Déjà, donc ça ira mieux déjà. Au final, moi qui... Oh ouais, d'accord, il s'est pas nagé le bruit, quoi. Au final, moi qui voulais faire... qui voulait plus faire d'Assassin's Creed après Valhalla, là, parce qu'il était trop long. Ouais, moi, ça, l'autre, il est en PLS, le bruit, quoi. Du coup, au final, ben, j'en fais d'autres. Ça sera un lion avec une tête de serpent. Non, Chimère, c'est une meuf qui a des serpents à la place des cheveux. Si tu regardes les serpents, normalement, dans la légende, tu te transformes en pierre. En statue. Mais nous, on va lui couper la tête. Parce que moi, je suis comme ça, tu vois. Je suis un mec qui coupe des têtes. Nouveau lieu découvert, compound de la plage. Tu es le capitaine. J'aurais des ennuis si on me voit ici. Affel. Regarde. Et voilà, elle est morte. Nul à chier, frère. Oh non, elle est nulle. Ça tient.
C'est ça. Elle, je l'ai tué en 2 secondes. Dis-moi, quand est-ce que tu commences à te battre ? À court de flèches, merde. Allez. Ah voilà, quand même. Genre le boss, je l'ai tué en 2-2 quand même. On est d'accord. Nul à chier quand même ce boss. Tu m'as rendu la vie. Je ne pourrai jamais assez te remercier. Merci. Tu m'as offert la liberté. Merci de ta piller les trésors. Bah c'est ça, la chimère, je l'ai assassiné, boum, fini. Bon, bah j'ai dit ok. Regarde la chimère, elle est où? Et là, normalement, du coup, dans membre du culte... Voilà, faudrait que je tue lui, là. Bon, et maintenant, par contre, collecter les fragments d'artefacts. Ah, d'accord, donc il faut que j'en tue encore un. Astérion. Ah. Bah, lui, il est trop... Faudrait que j'aille tuer lui, du coup. Membre du culte, c'est lui, Astérion. Ah, non. Astérion, Astérion. Midas, Deimos... C'est lui, Astérion. Je sais pas où c'est qu'il faut que j'aille. Attitude. J'ai gagné un point. Ça, c'est trop utile, la vie. La vie, c'est trop, trop... Merde. Attends, je voulais voir qu'est-ce que j'avais gagné comme item légendaire. Rien. De marchandises, je me suis gavé hein. Là pouh, j'en ai plein En route, Phobos. Faut que je regarde la quête aussi. Améliorer la lance. L'unique moyen de charger la puissance de la lance consiste à récupérer les fragments que détient chaque membre du culte. Ah ok, donc le
le membre le plus près du culte, ben, ça va être là, Astérion. Donc let's go, hein, on va aller défoncer Astérion. Fort, niveau 45 le gars. On oublie. Tac. Tu joues à quoi toi comme jeu en ce moment Yoshi à part je sais pas quoi d'ailleurs. T'es toujours sur Sonic ou sur ton Mario là où tu montais des niveaux je sais pas quoi là. Putain, je suis obligé de traverser l'eau. Oh, j'ai tué mon cheval. Ouh. Ah, pas rien. Oh, ok. Bon, bah, d'accord. Je peux aller directement à mon bateau. Ok. C'est quoi, ça t'a saoulé un peu hein, de jouer? Je sais que moi j'ai des périodes où j'ai vraiment pas envie de jouer. Bon après, avec le stream, bon ça aide, tu vois, ça aide à me motiver. Mais il y a des périodes où des fois j'ai réellement pas envie de jouer quoi. Et des fois je joue pas du coup. C'est pour ça que je pense que ça va être cool de mettre des émissions un peu hautes que du gaming tous les jours, tu vois, sur la chaîne. Faire un peu autre chose, tu vois, genre mettre du dessin, de la peinture, des choses comme ça, tu vois, ça permet de faire autre chose, c'est cool. Ouais c'est un peu. Ouais je comprends, je t'inquiète. Augmentez la vitesse. Nous sommes à bout d'allure. Ouais y a des périodes aussi où t'as rien comme jeu qui sort. Hein. Genre moi en ce moment, y'a rien qui me hype de ouf hein. En jeu. Hein. J'attends Biomutant, j'espère qu'il va être cool. Mais en soi, y a rien qui me hype, y a rien qui me motive. Allez, plus vite!
sommes à pleine allure. Allez. On ne peut pas aller plus vite. Plus vite. À la pointe, vite. Préparez les rames. Archers en position. Attaquez. Il faut s'en écarter. Sauf si tu tiens trop bas. Ces débris pourraient... Forcez l'allure. Sortez les avirons. Archers, je déraille. Envoyez les lances. En avant. Malaka. Rangez les rames à la voile. Préparez vos flèches. Embrochez-les. Attention. Attendez. Il faut tirer de nouveau. Putain, je vais me faire éclater là. Eh, deux bateaux, tu te fais canarder de flèches. Ah ouais, deux bateaux level 14, c'est chaud. Hein. Et, mais il y en a un, il faut obligatoirement que je le tue. Il y en a un, il faut absolument que je le tue, tu vois. Là, je suis assez loin. Salut Matt. On va y arriver, on va y arriver à les défoncer. Préparez vos flèches. Là ils attaquent plus là. On va peut-être pouvoir se les faire. Salut Anarchiste. Allez, 2-1. On n'a plus que le deuxième à faire. Bref, en tout cas, je dois y aller. Je vous dis bonne soirée. Déjà ? Vous partez à 23h d'habitude. Bon bah bonne soirée à toi mon petit Yoshi. Allez mon gars. Allez. On a tout récupéré mon pote, on les a eu. On les a défoncés. Allez, on peut repartir améliorer la... Eh mon gars, mon bateau niveau 11, il les a déchirés mon frère. En avant.
augmenter la vitesse. Putain, on a réussi quoi. Ça fait plaisir ça. Commencez à ramer. On va s'arrêter ici. Et en vrai, on a réussi et en plus de ça, on a tué des mercenaires. Non, et surtout, on a tué un nouveau membre du culte. Astérion, qui est là. Et ça fait plaisir. Alors, on va améliorer notre lance. Et ils sont vraiment moches, les persos. Et hop. Hop. Allez, on va aller parler à l'autre à 350 mètres là. Pam pam. Bon, comment ça va, Matt et l'anarchiste, comment vous allez? Pam 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 pam. Ok. Améliorer la lance. Nouvelle quête. Salut Smoothie, comment tu vas? Bien et toi, bien, 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 bien. Ça est niveau 15. Ah mais collecter les 7 fragments, c'est-à-dire qu'il faut que j'aille tuer. Ok, mais bon, on va aller directement à l'autre. Hein. Et peut-être niveau 15. Mais Osef. Attends, 2000.
Combien? Elle est où la tête? Putain, elle est là. Qu'est-ce que tu racontes de beau, ma petite Smoothie? Et les gars, on est 8 sur le live, il n'y en a pas un qui parle là, à part Smoothie, là, à parler, les gars, on va pas vous manger, hein. Matt, l'anarchiste, tout ça, n'hésitez pas à papoter, hein. Et les gars, on est là pour ça, hein. Parlez avec moi, on est là, on est bien, on est posé devant Assassin's Creed, on va peut-être bouger de jeu, suivant si les cartes me répondent ou pas. S'il me répond pas, on reste sur Assassin's Creed. S'il me répond, ben on ira peut-être sur Dofus avec lui et Bokuni. Je joue à Minecraft. Toujours en solo, Smoothie, ou t'es parti avec en multi un peu? Ok, bon bah c'est pas maintenant. Hein. Oui, un multi avec mon meilleur ami, on joue souvent après les cours et les devoirs. Bah c'est cool. C'est cool, c'est cool. Bon par contre, attendez, on en est où là? On va plus rigoler là. Tac. Déjà on sauvegarde. Voilà. Déjà on sauvegarde. Puis ensuite on va... Mais non. Nous devons nous montrer prudents. Bah, c'est pas ça non plus que je veux faire. C'est ça. Voilà. Alors. Du coup les amis, on va s'arrêter là pour ce petit épisode. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao ciao, n'oubliez pas le like, partage, commentaire, tout les amis. Ciao ciao.